Bon, et j'ai vu plein de messages par rapport à ce qui se passe entre Mariama Kankalabé et Campbell. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages soi-disant que pourquoi tu ne parles pas de ça. Vous savez, je n'avais pas envie de rentrer dans les genres de polémiques. Vous voyez, de parler des genres de polémiques parce que ça ne m'intéresse pas. Ok? Sinon, je vais toucher quelqu'un. Je n'ai pas envie de toucher quelqu'un. Moi, je suis là pour accompagner les artistes guinéens, valoriser la culture guinéenne. Vous voyez? Mais Campbell, Mariama Kankalabé, nous tous, on sait, voilà ce qui est passé et on connaît aussi la vérité. Ok? Et Campbell, il a créé son émission polémique. Voilà, je pense que l'émission c'est West Africa, donc, mais c'est émission polémique. Vous savez, les genres des émissions, on n'a pas l'habitude de faire ça en Guinée. Voilà, les genres des émissions passent partout en Afrique, mais ça passe pas en Guinée, les gars. Ok? Parce que déjà, la Guinée, on ne maîtrise pas les showbiz. Et surtout, nous, les Guinéens, on est vraiment culturels. OK? Je pense que quand tu regardes, la majorité sont des musulmans, les autres sont des chrétiens. Donc les arts de débat, là, on n'a pas l'habitude d'inviter des artistes et surtout de poser des questions, en tout cas, qui fait la polémique. Ouais, les artistes guinéens n'ont pas habité à ça. Et aussi, nous, les Guinéens, on n'a pas habité à ça. C'est pour cela que donc l'émission Campbell, ça crée des problèmes. Voilà, parce que Campbell pose des questions qui concernent les artistes, que nous-mêmes, les fans des artistes, on parle. Voilà, on parle de ça. On parle de ça. Mais je pense que, comme nous, les Guinéens, on n'a pas l'habitude, les genres des émissions, je pense que c'est pour cela que ça crée des problèmes. Comme certains artistes guinéens n'ont pas aussi de l'habitude, les genres des questions, parce que ça se passe partout, en Europe, en Afrique. Il y a des émissions qui posent des questions pertinentes aux artistes. Concernant leur carrière, concernant leur showbiz. Oui, bien sûr. Il y a des artistes qui arrivent à répondre, il y a des artistes aussi donc, qui n'arrivent pas à répondre. Oui. Mais bon, je pense qu'en regardant ça, bon, quand je parle ici, ça va faire mal, mais c'est pour cela que je n'ai pas parlé du genre de sujet, ok? En regardant ça à tout près, et je pense que déjà, Mariama Kankalabé doit remercier Campbell. Mariama Kankalabé, elle doit remercier Campbell. Parce que c'est à travers Campbell que Mariama Kankalabé est revenue dans les showbiz. Et tout le monde parle de Mariama Kankalabé en ce moment. Elle a sorti dans les derniers moments, là, elle a sorti un clip. Le clip a eu beaucoup de vues. Et tout le monde est en train de parler de Mariama Kankalabé. Avant, Mariama Kankalabé était disparue. Il n'y a personne qui parlait d'elle. Mais à travers l'émission Campbell, et du coup, maintenant tout le monde parle de Mariama Kankalabé. Et c'est pour cela donc elle a vu que donc les showbiz prennent, elle a vu que les buzz prennent. C'est pour cela que donc elle a aussi créé une buzz à la restaurant concernant elle avec Campbell, parce qu'elle a vu maintenant ce truc, les buzz prennent. Les buzz c'est une bonne chose pour les artistes, mais nous les Guinéens on maîtrise pas les showbiz. Sinon ce que Campbell est en train de faire, bien sûr des fois il tape fort, oui il doit quand même se retenir un peu quand même, c'est la vérité. Mais ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est un avantage pour certains artistes. Il ne doit pas quand même taper fort, parce que tu ne dois pas poser des questions intimité aux artistes. Non, les questions privées des artistes, tu ne dois pas poser. Mais tu dois poser des questions polémiques qui concernent les artistes. Ça, je suis d'accord. Mais ne faut pas insulter les artistes, ni aussi de poser des questions privées par rapport aux artistes. Non, tu peux les poser des questions quand même polémiques. Que tout le monde est en train de parler, parce qu'il y a toujours des polémiques derrière les artistes. Tu peux les poser des questions polémiques, tu peux les coincer pour qu'ils parlent, pour que ça crée du buzz, pour que ton émission crée du buzz et pour que les artistes, quand même, aussi, quand même, vont avoir de la visibilité, pour que aussi ton émission va avoir de la visibilité. Je suis d'accord avec ça. OK? Mais Mariama Kankalabé, maintenant, elle a vu que donc ça crée du buzz en affrontant Campbell. Depuis qu'elle a fait l'émission avec Campbell, donc elle profite, les gars. C'est vous qui ne maîtrisez pas les showbiz. Elle connaît ce qu'il est en train de faire. En ce moment, tout le monde parle d'elle. Donc, elle est contente parce que son showbiz, quand même, je dis ça, son buzz marche. Donc, elle va sortir un clip, tout le monde va partir regarder. En ce moment, elle a eu beaucoup d'abonnés. Tout le monde s'abonne si ça passe. Tout le monde la soutient. Vous voyez? Donc, voilà. Moi, je vais rien dire sur ce sujet-là parce que moi, je suis là pour accompagner les artistes. Mais je pense que, bon. Bon, je vais laisser. Sinon, je vais rentrer dans un débat inutile, les gars. Ok, donc merci, c'est à vous d'analyser et de comment juste de commenter.